法国的防疫措施是欧洲国家中最为严厉的。法国多个城市的民众走上街头抗议，抗议政府剥夺民众自由权，推行疫苗护照等极端政策。集会现场，人们高声齐唱马赛曲，来表达法国人捍卫自由和民主的决心。这次集会聚集了法国社会各个阶层的民众，他们表示，政府强推打疫苗的政策，剥夺了他们的自由和人权。Je suis là aujourd'hui pour manifester ma réprobation de la politique gouvernementale concernant le pass sanitaire, qui n'est qu'une démarche visant à supprimer les libertés aux Français. Les libertés pour les Français, c'est quelque chose de concomitant à leur façon d'être, à leur âme française, puisque initialement, le peuple franc veut dire peuple libre.Si la loi passe, ça change beaucoup pour la France, parce que ce n'est pas une question de vaccin ou de non-vaccin, c'est une question de liberticide qui met en cause les libertés fondamentales des Français, le droit de décider de son corps, le droit d'avoir les libertés d'expression, qui met en cause le droit du travail. Parce que je suis avocat, et comme avocat, j'estime que je dois à la fois être présent pour battre le pavé avec les Français, mais également...Et on le fera, je l'espère, dans les tribunaux, devant le Conseil d'État et devant toutes les institutions qui pourraient être saisies et toutes les juridictions qui pourraient être saisies pour défendre les libertés. Car la liberté, si vous voulez, je ne veux pas que ça soit demain, au mieux, je dirais, un souvenir, au pire, un fantôme qui viendrait hanter celles et ceux qui auraient conservé le souvenir de leur liberté un jour.在强制打疫苗的问题上，法国人感觉马克龙采用了和中共一样的独裁方式。Parce que le pass sanitaire, pour moi, c'est comme le crédit social qui est en test actuellement en Chine. En fait, la Chine, je pense, est en train d'exporter son système en France, je pense, oui. Et d'avoir un système de code ou d'autorisation donné par le gouvernement sous un prétexte sanitaire ou autre.